moi, je suis très, très, très contente. Elles savent nous dire merci. Que ailleurs, faut toujours aller plus vite, sans avoir aucun merci, sans rien du tout. Qu'elles, elles nous disent merci tout le temps pour le travail qu'on fait. Pour des sœurs, je ne pensais même pas qu'ils faisaient autant de travail. J'ai toujours du mal à y croire, d'ailleurs, parce qu'il y en a vraiment 80 quelques années, ils travaillent encore bien. Ils font tout. Je suis portée et renouvelée à chaque fois que je viens, par la prière des sœurs, par les environs, par la nature. Et en fait, quand je repars chez moi, ben, je suis tout simplement mieux. Je suis reposée. Fondée au XIIe siècle, l'abbaye d'Igny a longtemps été un monastère d'hommes. Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale, alors que les Allemands l'avaient entièrement détruite, que des femmes s'y installèrent, venues de l'abbaye de la Coudre, près de Laval. Comme leurs prédécesseurs, elles appartiennent à l'ordre cistercien. Pendant très longtemps, comme la plupart des monastères de l'ordre de Cîteaux, Igny vécut de l'agriculture. Ce petit verger représente à peu près tout ce qu'il reste de cette époque. Là, tu fais très attention, sœur, parce que les grappes sont fragiles. Hein, oui, oui, donc, alors tu passes sur le bois, mais pas sur les grappes. Mm-hmm. Ça y est. Alors ici, un tour, là. Un tour, et puis tu me le donnes. Bon, alors t'es à bonne hauteur. Qui se balade pas trop. Attends, lâche celui-là. Voilà. La Lectio Divina, une lecture approfondie de la Bible, est l'un des trois temps forts de la journée monastique. Chez les cisterciens, elle se pratique au scriptorium. Les deux autres temps forts qui rythment la journée sont la prière, décomposée en six offices quotidiens entre 4h du matin et 8h du soir, et le travail manuel, le fameux Ora et Labora de Saint-Benoît. Depuis les années 1950, c'est la confiserie et la chocolaterie qui font vivre les sœurs. Le monastère étant situé à 30 km de Reims, elles inventèrent le bouchon de champagne en chocolat fourré à l'alcool, un produit qui allait assurer leur renommée dans la région. Voilà, on met un petit jet pour chemiser. Ensuite, on pose sur la tapoteuse pour pouvoir crever les bulles. Vous voyez, il faut que ce soit pris sans plus, parce que sinon le beurre est cassant si c'est trop pris lorsqu'on la rase. En fait, on fait ce qu'on nous demande, c'est l'obéissance. J'ai même dit à notre messe que je pourrais très bien être ailleurs, qu'elle pouvait m'enlever de la chocolaterie et ça ne me poserait aucun problème. Ça en poserait d'autres aussi. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autre sœur pour l'instant, pour la relève. Alors, cette crème consiste en géant-du-jas et fondant, et beaucoup d'alcool. Alors, on met moitié fondant, moitié géant-du-jas, et ce géant-du-jas, c'est du chocolat au lait praliné, en fait, qu'on achète. Et on met 2 litres de marc à 60 degrés, plus de la fine,
et un peu de marusée. Nous mélangeons ça au mélangeur. Et ensuite, lorsqu'elle est bien dure, on remet un peu de chaude pour pouvoir la travailler, parce qu'on en fait d'avance. Vous en mangez quelques-uns dans la journée, quand même? Ah non, non, non. Alors là, là, non. Alors, on est très, très sobre de ce côté-là. Venir aux besoins du monastère, c'est important, parce que sinon, comment vivrions-nous? On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, quand même. Je connaissais beaucoup de communautés religieuses auparavant. Je les ai visitées toutes, et puis il y en a certaines communautés qui croyaient que j'allais entrer chez elles. Mais mon choix n'était pas fait. Alors j'ai cheminé vous comme ça. Elles espéraient que j'allais rentrer. Exactement. Elles espéraient très fort que j'allais rentrer dans une ou l'autre communauté. Et puis un jour, j'ai appris à connaître Inie. C'était pour moi absolument inconnu. J'ai connu une sœur, une religieuse d'une autre congrégation, qui, pour elle, Inie, c'était tout. Elle connaissait Inie. Alors vraiment, Inie, c'était le paradis déjà, le paradis. Les choses se sont précipitées, en fait. J'étais toute jeune, j'avais même pas 20 ans. Et je suis allée en parler au prêtre du village, parce que je suis dans un village. Et il m'a dit, oh, bah tiens, faudrait que tu lises ce livre-là. C'était sur la trappe. Ah, moi, ça me dépassait. Alors là, pour moi, là, lire ce livre sur la trappe, j'ai rien lu du tout, ça ne me tentait pas. C'était des moines qui tronquaient. Qui creusaient leur tombe un peu chaque jour, etc., des genres de choses comme ça, alors vraiment, ça ne m'attirait pas. Mais ce qui m'attirait dans cette communauté, c'était le silence et la vie cachée. Vraiment, la vie cachée, surtout. Je désirais vivre une vie séparée du monde, et c'est ce qui m'a le plus attirée dans cette communauté. À la sortie de l'office de tierce, les cisterciennes se rendent au réfectoire pour y déjeuner en silence. Parfois, le repas est accompagné de musique ou bien d'une lecture. Le silence reste une des composantes fondamentales de la vie monastique d'aujourd'hui, même s'il n'a plus la rigueur d'autrefois. Vers 14h30, les sœurs repartent dans leurs ateliers ou devant leurs ordinateurs.
elle travaille l'équivalent d'un gros mi-temps. C'est un équilibre fragile, sans cesse remis en cause par les difficultés économiques que connaissent beaucoup de monastères. Il y avait un monsieur qui était mécanicien qui était venu pour nous vendre un tracteur. Alors il était accompagné par le fermier. Alors il disait toujours au fermier, mais qu'est-ce qu'elle fout, les bonnes soeurs, derrière ces murs? Alors un jour, on lui dit, bah, tu vas voir ce qu'elles font. Alors il l'a amené ici, puis quand il a vu comment était sur le tracteur et qu'on avait des machines et qu'on travaillait avec des fous et tout ça, alors il n'en revenait pas. Il disait, oh, c'est pas possible que des soeurs fassent ça. Pas que de la démolition, hein. on fait aussi des meubles, on fait des raccommodages surtout. La semaine dernière, nous avons détartré tous les robinets du monastère. Il faut savoir tout faire. Alors. Oui. Et après, la semaine prochaine, après, on va nettoyer toutes les roulettes des chariots, graisser et nettoyer les roulettes des chariots. On est d'abord par obéissance. Alors la grâce elle nous est donnée, hein. Mais on n'est pas fait pour vendre, par exemple. J'avais horreur de vendre, d'acheter, de faire le commerce. Alors vous mettez quelque chose en dessous. Quand il fait beau, il y a beaucoup de monde. Mais aujourd'hui, malgré le mauvais temps, il y a beaucoup de monde. Oui, parce qu'on apprécie beaucoup les produits monastiques. Et nos bouchons, comme voici. Et ont beaucoup de succès. Ce sont les sœurs de l'atelier qui ont fabriqué. Vous voyez, quand nous avons abandonné la fabrication de fromage, donc à la cave, il y avait des montants là où on posait les planches de fromage. Alors, ils ont démonté, ils ont assemblé, ils ont mis des roulettes et ils sont arrangés comme ça. Et même la table, ceci, fabriquée par les sœurs, ceci. De la même façon, c'est parce que ceci, c'est de chêne, le bois de chêne. Les parloirs d'autrefois, avec leurs grilles en fer forgé, ont laissé place à de petits salons où chacun peut recevoir familles ou amis. Bah oui, moi aussi, c'est bien. C'est toi. T'es pas trop crevé? Non. En pleine forme. En pleine forme. Oui. Ça fait combien de temps que t'étais pas venue alors? Je crois presque un an et demi. Oh, ça passe vite. Ouais. Je suis heureuse de voir qu'elle est heureuse. J'ai besoin de venir vérifier un peu qu'elle est heureuse. Et puis ça, bon, bah, là, j'ai pas de doute là-dessus. Je suis très fière aussi. Moi, ça rejaillit aussi sur moi. Et puis, il y a ce qui se passe aussi dans sa tête et puis dans son cœur. Quand elle dit, par exemple, que le manque qu'elle sentait maintenant est comblé... j'ai du mal à le réaliser, quoi. Puis je pense que c'est des choses qu'on doit même pas pouvoir mettre en mots. Ça, c'est plus du domaine du ressenti. Il y a beaucoup de choses que je faisais avec joie et bon, auxquelles j'étais attachée. Bon, par exemple, je lisais énormément, beaucoup de livres. Je passais presque toutes mes... Des fois, j'avalais un livre dans la journée, ou des fois davantage, quand je faisais rien d'autre. Bon, ben ça me manque absolument pas, et pourtant, qu'est-ce que j'en ai lu et qu'est-ce que j'aimais ça. Et une fois, une amie m'en apportait un qui se passait dans un monastère pour que je sois sûre que ça me plaise. Ben je vais même, ça me dit plus rien maintenant. Si un livre ne me parle pas du Christ, ça me donne pas, enfin, j'ai pas envie, quoi. Bon, j'ai plus l'esprit à ça du tout. Il y a vraiment quelque chose qui. C'est pas ma volonté, en fait, c'est pas moi qui décide de ne plus lire. Ce type de livre-là, mais mon goût ne m'y porte plus, quoi. Et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une œuvre de conversion qui se fait en nous.
J'ai commencé la relure quand j'étais postulante. Donc, début 48. J'ai commencé et c'est assez curieux, mais j'y suis restée. En général, on vous changeait tout le temps. À 28 ans, j'ai été choisie comme parmi les fondatrices de la Clarté Dieu en Afrique. Alors, on m'a dit, ben, c'est très bien, là, vous allez faire un atelier de relure complète. Alors, j'ai fait l'atelier de relire à Boulogne, qui était près de Bukavu. J'y ai travaillé tout en faisant autre chose. Pendant 35 ans, j'ai grandi en Afrique, au contact de mes soeurs africaines. Alors, elles m'ont appris beaucoup. On apprend beaucoup en Afrique. On apprend à apprendre. On apprend à ne pas savoir. On apprend à savoir que la France n'est pas tout. L'Europe n'est pas tout. Qu'il y a des autres façons de faire. On apprend un autre tempérament. On apprend à prendre patience par l'impatience, comme disait une sœur blanche. Je sens que ça bouge. C'est excellent. Excellent de quitter la rive et de pouvoir revenir. On revient à neuf. Ça fait 22 ans maintenant. Chaque étape a sa couleur. L'étape du noviciat a sa couleur. Et puis... petit à petit, quelque chose se stabilise, accepte de se laisser porter, de se laisser dériver un petit peu. Ça vaut la peine. Puis ça vaut toutes les peines. Je n'ai pas l'impression d'avoir renoncé ni à ma vie affective, ni à ma fécondité. J'ai choisi de la vivre autrement. Au contraire, je crois que la vie affective, il est possible de la vivre très intensément, autrement, mais tout aussi intensément. Et la fécondité, pareil, ce n'est pas une vie désincarnée, et la vie proprement sexuelle n'est pas la seule à combler cette part de nous-mêmes qui est sexuée. Obéir comme un cadavre peut paraître rigide, pourtant non. L'obéissance ignatienne n'est pas du caporalisme où les supérieurs commandent un seigneur. Cette obéissance absolue ne signifie pas une autorité absolue. Ah, ça c'est bien. La différence entre obéissance absolue et autorité absolue. Je viens de l'abbaye Notre-Dame de la Clarté Dieu au Congo. Il y a 2 ans, ma supérieure avait décidé que je vienne ici pour faire la théologie. Je suis aidée par ma mère, Sœur Marie. Je trouve que son aide est très très importante parce qu'elle fait ce qu'une mère fait à son enfant, elle m'apprend à marcher, donc comment travailler. Et ça me fait mal au cœur de voir qu'ici, bon, des communautés, tu vois, tu arrives dans un monastère, ça fait à peu près maintenant qu'on est misé, il n'y a plus même de personnes, une présence religieuse, pendant que nous, nous manquons où loger les jeunes. Hein? Ça fait mal, mais voilà. On ne peut pas transporter des bâtiments en Afrique. C'est ça. Il ne faut pas oublier de boire un petit peu. Hein. Mmh. Ben, oui, il faudrait mieux boire. Il ne faut pas boire trop peu. Hein.
à votre santé à tout le monde. La moyenne d'âge à Igny est de 75 ans. Plus de 20 sœurs sont octogénaires. Pour pouvoir les garder à l'abbaye, les sœurs ont demandé et obtenu du département le statut d'unité de vie. Cela coûte moins cher à la collectivité que des places en maison de retraite et ça permet aux anciennes de terminer leur vie entourées de l'affection des leurs et soignées par du personnel compétent. Mais ici comme ailleurs, le manque de nouvelles vocations se fait cruellement sentir. On a beaucoup parlé sur la durée d'engagement, etc. Et il disait que beaucoup de prêtres partaient parce que bon, ben, ils avaient vu ce que c'était le ministère, c'était bien, mais sans plus. Donc bon, ben, voilà, on avait fait. Voilà. Ça m'avait un peu effaré. Mais même au niveau de notre ordre, tu sais, quand on voit le nombre de départs de jeunes moines ou moniales, et maintenant aussi beaucoup de jeunes moniales, c'est vrai que c'est très interpellant. Ouais. Et les abbés et abbesses, nous interrogeons beaucoup. Ouais. C'est un signe des temps qui est très interpellant et qui fait choc. Beaucoup parlé de ce que c'était pour un jeune maintenant de s'engager et de la durée dans l'engagement. Tout le monde cherche comment faire pour qu'aujourd'hui nous vivions. Oui. Chaque communauté, selon son histoire, sa grâce du moment, son âge, etc. Oui. Par sa mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Conseillés et soutenus par des membres de l'ordre qui viennent les visiter régulièrement, les sœurs ont décidé d'organiser des repas de groupe réunissant une même classe d'âge. Ici, ce sont les jeunes. Il s'agit de se préparer à entourer et épauler le mieux possible les éventuelles jeunes entrantes que tout appelle de leur vœu. La toute première abbaye va se fonder en 1128, plutôt sur ma gauche. Vous avez quelques ruines là-bas du tout premier monastère. La vie va se développer très, très vite, très fortement, très bellement, tout au long du Moyen Âge. Et puis, bien, comme la communauté s'enrichit et que la richesse et les vertus ne vont pas longtemps ensemble, dit un texte, il y a l'inévitable période de décadence jusqu'à la Révolution française, où le monastère est vendu comme bien national. C'est le cardinal Langeigneux qui va racheter la maison et faire revivre cette maison donc au début du 19e siècle. Ce lieu ici est particulièrement connu à cause de Huysmans qui s'est converti à Igny en 1895. Donc Huysmans, un des amis de Zola, qui sent tout d'un coup se monter en lui cette recherche. Et un de ses amis va dire de lui, c'est maintenant soit la croix, soit le suicide. Et donc Huysmans vient ici, rencontre le père abbé de l'époque, il y a une confession, et puis il y a la grâce de Dieu et peut-être la grâce du lieu qui fait que le cœur peut se retourner. Le monastère va rester debout donc jusque à la Première Guerre mondiale où à la fin en 1918 le monastère est rasé. Et le monastère actuel que vous voyez là est reconstruit en 1929. Et cette fois ce sont des sœurs qui sont appelées à venir vivre à Igny. Et donc c'était le 29 novembre, nous sommes à 75 ans de cette refondation d'Igny. L'avenir est à Dieu, disait Victor Hugo. Et je pense que c'est toujours vrai. Bon. Nous essayons de vivre. Nous devons vivre jusqu'au bout ce que nous avons choisi de vivre en réponse à l'appel du Seigneur. Après, c'est l'affaire du Seigneur. Si le Seigneur veut qu'il y vive, il saura en prendre les moyens. Et s'il trouve qu'il y a fait son temps, eh bien, il n'y acceptera de mourir, comme dans une vie humaine, on vit et on meurt.
Je pense que la vie contemplative, c'est un peu comme les nappes phréatiques de l'Église. Les nappes phréatiques, on ne les voit pas. Et on les ignore même. Et puis tout à coup, on nous dit les nappes phréatiques sont en baisse et c'est pour cela qu'il y a la sécheresse, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Si les nappes phréatiques diminuent de façon trop grosse, trop importante, c'est dangereux pour l'Église.